Jamais autant de stress de toute ma vie. Est-ce que c'est normal si je trouve rien du tout? Si elle kiffe pas, en vrai, c'est pas ma sœur. Je dis quoi ça si j'aime pas? Je vais vous dire franchement, ça, il s'est refusé. Genre là, Romain, t'es en train de faire le meilleur âge parce que moi, j'ai pas le temps. C'est vrai, c'est vrai. Non, je vous jure, c'est vrai. Soy, est-ce que vous voulez une petite bière? Ok, mais Soy, est-ce que vous voulez un petit coca? Non, merci. Le temps, c'est de l'argent en soft et j'ai pas beaucoup d'argent. Non, t'as genre 5 minutes, clairement. Mais c'est pour acheter vos vêtements, ça. J'ai que ça. Regardez pas mon appartement, c'est la guerre. Je suis en train de tout déménager et il y a des frites d'hier juste sur la table là. Voilà. Vidéo qui peut les faire, là, vidéo. Allô les petits chatons. Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Allez tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Jan et Romain. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. T'es con ou quoi? Bah si, on fait une vidéo. Mais c'est pas ça l'intro, frère. Non, mais faut prévenir les gens qu'on fait une vidéo. Mais ils savent déjà, ils ont cliqué dessus. Aujourd'hui on s'est réunis pour un truc qu'on n'avait jamais fait avant dans notre vie, jamais. Donc on va le faire pour la première fois face caméra. On va faire du shopping l'une pour l'autre. Donc on a un petit budget le suivant. J'ai ou la totalité de... Bon bah tout était mon compte en banque. C'est vrai, je pense qu'on n'a jamais fait un vrai shopping pour l'une et pour l'autre. On sait même pas offert des vêtements à Noël parce que on a peur que l'autre aime pas. Si t'aimes pas, tu dois être honnête. On doit être honnête. Tu vas être honnête. Donc ce qu'on va faire, c'est du ketchup dans les cheveux par contre. C'est stylé. Ouais. C'est si, ouais. On va aller tout de suite au centre-ville, on va s'acheter des trucs, puis après on va faire le point à la maison et on va se montrer qu'est-ce qu'on a acheté l'une pour l'autre. Il faut savoir que Soy m'a appelé juste avant pour me prévenir qu'elle avait changé de style et que très certainement elle aimerait pas ce que je vais lui acheter. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait des trucs que je mettais il y a quelques mois que je mets plus du tout aujourd'hui. Genre récemment, je change grave de style vestimentaire. Du coup, j'espère que tu vas t'adapter. En vrai, j'ai confiance. Mais si tu m'achètes un fucking t-shirt où il y a écrit New York dessus, je te pète dessus. Genre, tu penses que je vais faire ça? On sait jamais. Moi, je vais acheter des trucs qui vont révolutionner ta vie. De la vie. Je veux que tu m'achètes du Chanel, ok? Je pourrais t'acheter le manche du sac peut-être. Le manche. On parle pas d'un balai Chanel, hein. Le balai Chanel je l'ai déjà quelque part. Dans ton cul, c'est ça? Exact. J'avais compris, c'était pour eux. Ok. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent nos vidéos mais qui s'abonnent pas et c'est pas bien. J'ai vraiment hâte de savoir ce que tu vas m'acheter. Non, arrête, ça me stresse. En plus, une chose qu'il faut savoir, c'est que je déteste. Même là, c'est dans le cadre d'une vidéo et tout, mais je déteste qu'on m'offre des trucs déjà de base. On part vraiment sur quelque chose de très positif. Ça va altérer notre relation, Soy. Si tu m'offres des trucs que j'aime pas. Bah arrête, ça se fait trop pas de dire ça. Mais si, Soy, c'est sûr et certain. Alors, je vais t'acheter un balai. Une mop. Toi, achetez-moi les trucs que j'aime. Bah c'est ça, un balai, une mop. Laisse-moi choisir la taille pour toi. C'est moi qui choisis déjà. Si je veux t'acheter du XXL, j'achète tous tes vêtements en XXL. 1, 2, 3, on vient de m'apprendre que je vais devoir vlogger toute seule. Je déteste ça. Ouais, je vais comme ça. Je demande à quelqu'un dans la rue. Ok. Oh, je sais, mets un écouteur pour faire semblant que t'as des amis. On discutait avec Soy tout à l'heure, c'était en off et du coup je tenais à vous dire que ça pourrait partir en vengeance. J'achète les trucs les plus laids à ma soeur et je vois sa réaction. Horrible. Je mets tout mon cœur à ce shopping, je mets toute mon âme. C'est pour ça que si jamais vous aimez pas, je vais avoir envie de me... Moi aussi je vais tout donner en vrai. Mais j'ai trop peur parce que moi je vais prendre des trucs hyper princessiers et tout. Et genre moi elle va pas aimer, elle va dire mais qu'est-ce que tu m'as appris? Mais là, ça, il y a des coups qui vont pas, tu vois. Bien sûr, je sais, je pense à tes gros bras. C'est ça. Je te promets rien mais je vais tout donner. Oh my god, la pression est énorme. C'est horrible aussi, il y en a une qui a des vêtements Vlabia et l'autre a des vêtements de la nulle. Ouais, c'est vrai, hein. Ah, je vais pleurer. Moi je m'en fous que j'ai des vêtements, que tu m'offres des vêtements nuls. Oui, moi aussi, moi j'ai envie de faire un bon shopping, c'est ça qui m'importe. C'est ça, moi aussi, c'est que tu kiffes ce que je t'achète. C'est tellement de stress, et le stress, j'ai jamais autant de stress de toute ma vie. Mais par contre, faut pas rester 4 heures aussi, c'est la règle, on a genre une heure, ouais, une heure max. Ce qui est absolument impossible pour moi, mais une heure on va essayer. Ouais, parce que toi tu passes la journée dans les magasins à chaque fois. Le budget c'est combien? 150? Les gars, on se donne genre 5 articles ou 200 balles max. 5 articles ou 200 balles max, ok. Ouais. On vous retrouve tout à l'heure, on va faire notre shopping séparément. Voilà. Bon, ça, t'es prête? Je suis prête, par contre on va essayer de pas se faire dégager. 3, 2, 1, c'est prêt. J'ai trouvé un truc qui me plaît déjà. Il y a plein d'imprimés léopards. Il y a trop de trucs que je vois que j'aimerais trop. J'aime trop ça. Ok, je vais arrêter de faire du shopping pour moi. J'ai trouvé ça au cas où je trouve rien d'autre. C'est basic mais bon, ça reste dans son style. Donc je vais mettre de côté pour l'instant. Ça. Je sais pas ce que c'est mais je pense qu'elle va aimer. Elle va kiffer ça, c'est sûr. Je prends ça, c'est sûr. J'espère que c'est pas pour les femmes enceintes. Non, parfait. J'essaie de pas trop regarder les trucs dans mon style. Si elle kiffe pas, en vrai, c'est pas ma sœur. Ok, ce vlog va se réintituler j'ai l'air vraiment super bizarre dans un magasin et tout le monde me regarde. Moi je pense que je vais lui trouver des pièces. Elle va mourir quand elle va les voir. Est-ce que c'est normal si je trouve rien du tout?
genre. À chaque fois je vois une pièce, je me dis ah ça pourrait être nice ça, et puis après je réfléchis 2 minutes et je me dis en fait elle va m'insulter quand elle va la voir. Bon, ça fait un quart d'heure que je suis là, j'ai toujours rien trouvé, y a rien qui me plaît, genre tout ce que je vois j'ai envie d'uriner dessus. Et au pire je vais dans le rayon homme, oh, il y a des trucs nice. Et ça va pas du tout, je trouve rien du tout. En fait je voulais des trucs transparents, y a rien de transparent. Et là-bas j'essaie de l'éviter, mais par contre je fais que de checker sur son Pinterest, elle a que du blanc, du noir et du beige. Et je vois des trucs de son style mais en d'autres couleurs, mais j'ai trop peur de prendre ce risque. Ça elle pourrait bien aimer mais c'est basic as fuck. Je sais pas si c'est mieux que je prenne des trucs basic qu'elle va aimer ou que je prenne des risques qu'elle aime pas mais que ce soit fucking beau, je sais pas. Si je prends des trucs qu'elle a déjà, on fait comment? Tu vois ça par exemple c'est totalement son style, ce que moi j'aime pas, donc je sais pas si je prends. Est-ce que ça fait trop Halloween ou... Je prends le risque ou pas? Je prends le risque. Ça c'est cute, j'aime bien. Ok, je vais lui prendre un small. Ah non c'est moche. Il faut aussi que je prenne des trucs qui s'accordent bien avec sa nouvelle couleur de cheveux. Je comptais lui faire une petite blague et lui acheter un truc qui avait pas rapport. Mais j'ai trop envie de faire un bon shopping. En fait j'ai un problème, si de base dans le magasin tout est laid, comment je fais? Il n'y a pas genre tout ce que je veux en fait, je voulais des robes de soirée et tout. Mais il n'y a pas. Faut pas qu'on voit ses bras ni ses fesses. En fait je check un peu son IG. Il y a des trucs qu'elle met, j'aime pas. Donc je vais pas naturellement vers les vêtements que j'aime pas, tu comprends? Bon, c'est pas que j'aime pas ton style, j'adore ton style seul. Des jupes simples, beige, ça marche aussi. On dirait j'ai envie d'aller naturellement vers les trucs que j'ai envie de lui faire porter mais qu'elle va pas mettre. Je suis comme oh ce petit short il lui irait bien mais elle met pas de short. Donc je pense dans sa tête, qu'est-ce qu'elle elle achète. Je pense aux coupes, elle m'a dit. Je pense aux coupes. Est-ce qu'elle aimerait bien? Je pense qu'elle aimerait ça. On dirait qu'elle a déjà. Vas-y, je le prends. Petit. De là, elle aurait grave kiffé, mais ils ont plus sa taille. C'est des valeurs sûres, ça. Mais en vrai, les gars, moi j'ai trouvé genre 2 trucs. Je sais pas si j'ai réussi à trouver quelque chose qui fait du sens. Est-ce qu'elle aimerait un truc comme ça? Ça va ressembler à une boule de dispo, elle va pas kiffer. Là, ça c'est trop magnifique. J'aimerais tellement qu'elle me le prenne. Attends. Je vais le poser en évidence. Comme ça, ça pourra le voir plus facilement. Là je l'aime trop aussi. Jeanne elle avait dit 1 heure mais au final ça fait 2h30 qu'on est là. On veut trop s'impliquer dans le truc en fait. On veut trop chercher la pièce parfaite. C'est une galère frère, j'ai vu la moitié des vêtements. Ils étaient tachés de make-up. Comme c'est moi la vie, soit il y a pas cette taille, soit c'est taché. Je lui ai donné un indice pour moi, je lui ai dit faut pas que j'ai l'air d'une gamine de 8 ans et que c'est pas écrit boss girl dessus. Elle m'a dit tu m'en dis trop. Mais c'est pas trop, c'est la base, faut surtout pas qu'il y ait ça dessus, elle est folle. Elle pense encore que j'ai 4 ans et demi, un peu trop rire. J'ai hâte de voir ce qu'elle m'a pris. On verra bien. Je repose ce pantalon, j'espère que tu vas pas trop m'en vouloir. Parce qu'il est quand même beau, mais bon, oh, j'ai envie de le prendre. Fuck. Ça aussi, elle va grave aimer, non? C'est trop épais ça, hein? Bizarre, non, c'est bizarre. Ça, elle va aimer, mais je pense qu'il est trop grand. En train de se faire draguer par un gars. Premier magasin terminé. J'ai dépensé la moitié de mon budget, du coup, j'ai 4 articles. Moi, j'ai un tiers de mon budget et j'ai combien? 4 articles également. Ta dette. En fait, en vrai, ça nous stresse vraiment, vraiment beaucoup plus qu'on pensait, je pense, de pas acheter le bon truc. De ouf, parce que quand tu vas dans les magasins comme ça, tu dis, oh, ça irait bien à ma soeur. Mais quand t'es vraiment sur le coup réel et tu dois acheter pour ta soeur, t'es comme... C'est une question de vie ou de mort, tu peux pas acheter des mauvaises choses. Oh, il y a trop de trucs qui rentrent en jeu, c'est tellement un challenge compliqué, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Mais c'est grave intéressant donc. Mais je pensais pas que autant de trucs me plairaient pas, je pensais que justement j'allais trouver beaucoup plus facilement. Pareil. Quand tu vois de loin, c'est facile de dire oh ça va bien lui aller, elle va kiffer. Mais en fait, quand tu t'approches, c'est comme... Je pense qu'on va passer 24 heures dans les magasins. Ouais, je te jure. Mais ça va être un stress de te montrer ça. Ouais, de ouf, c'est un gros stress. Mais j'aime trop faire ça, c'est trop bien. C'est trop bien, vrai. C'est juste grave. Seconds. You look interesting. Who are you? Are you YouTubing right now? Yeah. Can I be in your video? Yeah, of course. Hi. Ready? Okay, on a hey, just a second, I want to meet you. Who are you? No, I cannot. Sorry. Bye. The fuck? On dirait il a l'une tuée, frère. You look interesting. Yo, who are you? Oh, c'est trop bizarre comme drag. De ouf. Oh shit. Oh fuck. Ah, c'est bon, ça va, je survis. T'as failli mourir, c'est vrai. Oh ouais, c'est bon. Attends toujours un petit instant pour voir si ma cheville est cassée. Attends. Tu diras pas. Hein. Non, ça restera entre nous. Shakespeare. Je sais que je peux pas. Ok, nouveau magasin, nouvelles aventures. Et la fille qui parle en même temps que moi. Ça, c'est beau, je pense qu'elle va kiffer. Mais c'est 50 balles, ça pète un peu le budget quoi. Je crois que ça, c'est typiquement le genre de truc qu'elle veut plus en fait. Ce genre de choses là. J'aime trop ça, elle aurait grave kiffé mais il n'y a pas sa taille. Oh non. Je sais qu'elle aime bien les motifs de vache un peu en ce moment, mais je sais pas. Soit elle kiffe, soit elle déteste. Le challenge est real. Oui. Ça c'est sûr à 100%. Par contre, il n'y a que du 34, du coup je vais l'essayer. S'il me va, je le prends. S'il me va pas, je pleure. C'est un peu serré quand même, mais bon. Je sais pas, j'ai pas mis du make-up dessus. Hey. Allô. On va les lancer, c'est ok. Vous allez arriver de ce côté-là. Vas-y, les amis. Ok, par ici. Stop, je viens pas, hein. Casse-toi. C'est qu'elle me voit parce que j'ai un vêtement pour elle. J'aurais expliqué qu'on faisait du shopping et que genre j'étais pas censée te voir. Okay, coup, mais bon.
Jeanne a fini son shopping pour moi, sauf que moi j'en suis à la moitié, genre j'ai vraiment pas du tout trouvé. Ça me semble mal, la moitié de son budget, moi j'ai déjà dépassé. Le truc c'est que je pourrais legit passer toute la journée en fait dans le magasin pour chercher. Ça va être hyper gênant quand on va découvrir les cadeaux. Non mais ça va être la chose la plus gênante de notre chaîne YouTube et de notre vie. Par contre, il va pas falloir que je tâche ma robe encore une fois. J'ai emmené Jeanne dans la meilleure poutine de Montréal. Non mais elle me dit tout à l'heure, oh je vais t'emmener là-bas et tout, c'est vraiment la meilleure. Et en fait, c'est ma meilleure poutine aussi, mais j'avais jamais trouvé le nom. Je suis allée il y a genre 5 ans et depuis je cherche le nom. Et comme par hasard, comme quoi les coïncidences. Après on va aller découvrir notre shopping et on a besoin de relaxer. C'est pour ça on mange un petit peu quelque chose de réconfortant. Écoutez-moi, j'ai vraiment pas hâte du tout. Qui va commencer? C'est surtout ça la question. Non. Laisse-moi me justifier de mes choix. J'ai préféré la basicité. J'ai pris quelques pièces, une ou deux, qui sont, on va dire, un peu plus risquées. Mais je me suis dit, je préfère que ce soit basique et nécessaire pour sa garde-robe. Et c'est sûr, elle va aimer, je pense, parce que c'était important. J'ai pris basique et en plus, t'aimes pas, là, je me suis suicidée. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle avait jamais offert autant de cadeaux à une seule personne. En même temps. Genre, moi, je déteste offrir des cadeaux parce que je déteste en recevoir. Alors, je fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Juste, dis-moi que tu m'aimes et c'est mon plus beau cadeau, tu comprends? Toi, comment t'as fait tes choix? J'ai fait mes choix en prenant en compte votre évolution récente, en prenant en compte votre couleur de cheveux, en prenant en compte vos goûts et en prenant en compte mes goûts. Ok, moi bien sûr j'ai pris en compte un peu mes goûts mais surtout les tiens. J'ai regardé un peu sur ton Pinterest, j'ai regardé aussi un Tu regardes surtout Non ça ça se fait non, pas, mais moi j'ai pas c'est que les pièces Chanel que t'as de gigantesques là. C'est impossible à trouver, c'était vraiment pour m'inspirer du style de vêtements. Sinon j'allais prendre du Adidas frère. Tu m'aurais pas pris du Adidas. Mais non. En fait ce que j'ai peur c'est que t'es déjà ce que je t'ai pris. Ah que, ouais tu vois genre possible. Puis les tailles aussi c'est mission ça. J'ai dû quand même me mettre quasiment nue dans le magasin pour qu'elle regarde mon corps pour évaluer. Et moi je me suis mis nue pour essayer parce que je voulais pas faire la file. Il fallait que j'essaie le vêtement pour voir si t'allais. Waouh c'est vraiment sacrifié pour survivre. Je tenais à vous dire que certaines pièces je les ai prises parce que je pensais à un outfit particulier. Okay. Ne regardez pas seulement le vêtement, imaginez le vêtement dans son univers. Vraiment, si t'achètes un truc de gamine de 8 ans, je vais le dire sur ça, je vais l'apporter. J'ai peur ça et que tu penses que j'ai acheté des trucs de gamine. Qui commence? Est-ce qu'on doit noter la satisfaction? C'est horrible, c'est horrible de faire ça. On met validé ou refusé. Ok, mais c'est pas grave si on refuse, d'accord? T'imagines la une qui aime bien tout et l'autre qui aime. Ouais, ouais, ça c'est horrible. Ok, vas-y, moi je me lance. Okay. Ça c'est le premier article, vas-y regarde. Tu vas analyser mes réactions, ça et j'aime pas ça. Mais je suis sûre que tu vas aimer. Je vais essayer neutre, ok. Oh super, attends, je vais dire que je suis sûre, imagine t'aimes pas. Pourquoi j'ai dit ça? Je regrette d'avoir dit ça. Vraiment, dis-toi que je m'en bats les couilles que t'aimes pas moi. Ah mais c'est pas gentil ça. Non, 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 mais c'est pour pas que tu stresses pour moi. Je sais que t'as trop d'empathie pour moi et moi trop pour toi. Oui, ok, donc on inverse l'empathie. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Premier article. Bah oui, voilà, bah t'as pas pris de risque ça. Tu peux mettre un truc noir par-dessus, en dessous. J'ai vu sur ton Pinterest, ça ressemble. Évidemment, t'as pas pris de riz, c'est très joli. Ça, c'est le truc qui est en 32-0, il y avait pas la taille au-dessus. C'est sûr, il va m'aller. Ah ouais, parce que. C'est sûr. J'espère que les autres trucs vont t'aller alors, parce que c'est le truc. Non, c'est vraiment beau. Et j'aime beaucoup les lignes devant. Ça fait un peu moderne. Ça fait un peu genre. Toi, tu calcules, j'ai même pas checké les lignes, moi. Ça, il n'y a pas de question d'hypocrisie dans cette vidéo. Ouais, pas d'hypocrisie. Si tu aimes pas, tu dis. Oui, tu dis. Je vous promets que j'aime le haut et vous avez très bien choisi. Je suis fière de vous. C'est une valeur. Ouais. Bravo, Soy. C'est validé. Non mais attends, 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 je dis quoi ça si j'aime pas? Tu me regardes et tu dis j'aime pas. Oh non mais Soy, j'ai envie de me pisser dessus mais je déteste cette vidéo. Soy, voilà ce que je me suis dit. Okay. Je me suis dit j'ai une nouvelle sœur à habiller, une sœur brune. Tu vois t'es un peu comme ma Barbie, tu vois ouais. Ce que je veux dire? Pour moi il y a des couleurs qui vont bien t'aller. J'aime pas ça, mais même si je vais être contente tu vas croire que j'aime pas parce que j'aime pas ça même si j'aime bien. Oh bah c'est parfait. Bah ça c'est sûr que je porte 100% avec une jupe, avec n'importe quoi, je porte. Ok, valeur sûre. Attends, j'ai hâte que ça finisse. Ok, ça c'est validé. Le vert c'est magnifique quand c'est brune. C'est grave bien ça, merci vous avez d'aide. Je vois que t'as capté mon style. Je vais essayer de te voir ensuite mais... Celui-là en fait j'aime beaucoup, je suis sûre que tu vas adorer. Le seul truc c'est que je pense que tu l'as déjà. Ok. Une jupe à bretelles comme ça. Oh c'est cool. T'as pas ça déjà? J'ai exactement la même jupe courte comme ça. Avec des bretelles. Mais j'ai pas bretelles. Ah ouais, j'étais sûre que t'avais. Parce que celle-là, elle est taille haute, elle est vraiment nice. Oh, mais j'aime trop ça. Oh, la taille S, c'est bien? Oui, j'aime trop. Et voilà, ça, j'étais sûre que t'allais. Oh, merci. Ah, c'est vraiment genre, c'est magique. Ah ouais, j'ai foncé dessus, j'étais sûre que t'allais. C'est magnifique, j'aime tellement. En plus, elle est taille haute, gars, j'aime trop. Ah putain, j'étais sûre que tu l'avais. Enfin, j'avais trop peur que tu l'aies. J'adore tellement les tailles hautes, c'est ma vie. Oh, nice, validé. Bon, y'a pas encore hydraté pour l'instant. C'est grave beau. Oh mon dieu. J'adore. Je l'aurais acheté. Je te jure, j'aurais acheté le legit si j'avais pas. Genre. Yeah, trop content. Là, viens.
Wow. C'est à moi du coup là? Ouais, c'est à toi. Oh, c'est horrible. Bon, là j'ai tenté quelque chose. Ok. Oh shit, tu commences déjà avec ça? Ok. Dans tous les cas, merci d'avoir tenté. Genre, ça me fait plaisir que t'aies tenté. Ferme les yeux. Ok. On aime bien, ma soeur et moi, porter des trucs un peu bizarres des fois, qui a du potentiel et qui est un peu bizarre. Mais le bizarre, ça peut vite être laid. Fait que. Voilà. Ça se fait que je l'aime pas en vrai, mais si je le porte, j'aime bien. D'accord? Oui. Oh, intéressant. Oh, si, c'est cool pour un photoshoot, c'est grave cool. T'aimes bien? Ouais, grave. Oh, c'est léger. Quelque chose de cool. Je sais que t'es plus trop dans le rose, mais même... c'est du violet et genre le violet ça marche. Non, c'est bien, puis par-dessus un maillot quand tu vas en. Parce que moi j'aime pas trop porter rien par-dessus mes maillots, donc ça c'est super pour ça. Ok. Non, c'est top. Bon. C'est validé. Le tissu est pas trop épais. Est-ce que tu l'aurais acheté? Tout de suite, je n'irai pas directement dessus. Mm-hmm. Mais par contre, je le verrai en photo sur Instagram, je serais comme oh! Je le porterai, tu vois. Ok. Mais c'est grave intéressant. En ce moment, c'est super tendance la transparence et ça va arriver l'année prochaine. Je vous fais un petit fashion. Elle a toujours devance toujours genre les styles et les modes. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup sur les podiums en 2019 et du coup, c'est ce qui va arriver en 2020, beaucoup de transparence. Moi, je le vois mieux sans nœud, je le vois mieux loose. Ok, moi, je vais t'envoyer un putain de risque. T'as le droit de me dire c'est fucking laid, ok. Ok, est-ce que j'ai le droit de te donner comme un coup de poing? Non, tu me dis juste je porterai pas, okay, ok. Moi, c'est le genre de truc que j'achète pas, ok. Moi, c'est le genre de truc que je porterai jamais. Ok, genre tu le détestes? J'aime pas forcément, mais je sais que toi t'adores ce genre de truc là. Oh là. Et je t'ai là vu. Là. C'est Halloween un petit peu, tu vois. C'est oh, j'aime bien Halloween. Ouais. Si t'as pris un truc que t'aimes pas et qui me plaît, t'es vraiment forte. Ouais, ouais, je sais. C'est quand même bizarre. Hein. C'est Halloween. Hein. Puis j'ai checké par rapport à ton Pinterest, t'as des trucs bizarres comme ça. J'adore les trucs bizarres. Je sais, 1, 2, 3, vas-y, vas-y. Mais j'adore. Ah ouais? Mais oui. Okay, mais j'adore. C'est vrai, quand j'ai vu, j'étais comme attends. Le risque, ça c'est la pièce. Attends, attends. Ouais. Laisse-moi réfléchir un instant là. Bah oui, mais c'est totalement le look pour octobre que je vais avoir. Genre, elle est pas trop froufrou la jupe? Bah non, il est jamais assez trop froufrou. Ok, bon. C'est vraiment octobre que tu l'aies pris alors que ça te plaisait pas. Bah c'est validé. Ferme les yeux. C'est un risque ou pas un risque? Ouais, c'est un risque. Ok, toi t'as pris de la lévis, frère. Ok, 3, 2, 1. Une rebête? C'est pas du tout un risque. Le risque c'est que je la porte et qu'elle soit pas belle sur moi. Mais je me disais en ce moment tu vois tu sors pas mal et tout. Il te manque des trucs un peu classe. Ah mais de ouf. J'aurais acheté ça si je l'aurais vu. J'ai cherché avec des petites manches et tout mais j'ai pas trouvé petites manches. Il faut pas, c'est comme ça, c'est parfait, c'est ce que je porte en ce moment, les dos nus un peu comme ça et tout. Si, c'est grave bien. J'ai pris du 34. En plus la forme est très bien parce que j'adore quand ça fait ça. Oui ça fait ça, soy. Je l'aurais acheté aujourd'hui ici. Waouh, trop nice. Elle est pas bien. C'est dans le... Non mais écoute, non. En vrai je m'en fous, ok. C'est juste, j'ai reposé des trucs pour le garder lui, alors je me sentirais un peu mal si... Oh, c'est horrible. Mais t'as le droit de pas aimer, en fait la couleur est un petit peu chelou, mais ça reste dans ton style, c'est juste peut-être... Oh, la couleur c'est important. Non, la couleur est bien, non, la couleur est dans ton style, peut-être la coupe ne va pas te convenir. Ok, bah oui, Soy. C'est la pièce que j'ai le plus hésité. Bah Soy, y'a aucun risque dans cette pièce. Ah ouais? Y a aucun risque dans cette pièce. C'est vrai que c'est vrai. Ça, je l'agence totalement avec des petits jupons. Ouais, je me suis imaginé ton petit nœud. Bah oui, ça, bien sûr. En plus, je l'ai vu dans le magasin. Ah ouais, je me suis dit, celui-là, c'est un des trucs que j'aimerais vraiment prendre. Ah bah voilà. Oui, bah parfait. Oh, j'aime trop ça. Yeah, voilà. Merci. C'est cool. Carrément mes couleurs en plus. Ça va gérer. Moi, en parlant de couleurs, l'article suivant, j'ai vraiment hésité. Ouais. Par rapport à plein de choses. Le suivant, c'est ce que j'appellerais un utilitaire. T'es prête? Ouais. Simple. Bah ouais, de ouf. Grave. Ça va avec tout ça, avec un jean, avec pas de jean, avec un bas de maillot aussi, c'est grave bien. Un cache-bras, joli boobies. Bah ouais, 100%. C'est validé de ouf ça, je l'ai vu en plus, j'étais comme ah trop cute, c'est grave bien, c'est ça que j'aime en ce moment. Ça, il m'a pas encore raté. De ouf, non j'adore. On se connaît trop bien, désolé. Avec la jupe blanche, la jupe blanche. Oh, oui. J'avais pas assez de haut à mettre avec la jupe blanche. Moi il me faut des hauts illimités, j'ai pas assez de haut de toute façon. À moi. N'hésitez pas à m'envoyer un maximum de vêtements. Vas-y regarde. Mais ok, t'as pensé vraiment à Halloween genre. Non mais vraiment, en fait, non, je t'explique, je l'avais pris en blanc, mais j'ai vu du make-up partout sur le blanc, je suis comme ok. Par contre j'aime pas du tout ça. Ah ouais? Mais non, je rigole. Attendez, laissez-moi analyser parce qu'il me paraît large de... Ouais, il est super large. Hein. Faudrait que je l'essaye, mais... Vrai que tu l'essayes. C'est exactement le genre de pièce que je peux porter pour octobre, genre. Ouais, bah, j'ai vu dans tes photos... Petit col montant. Ouais, c'est ça. On adore. C'est évident que c'est le genre de pièce que j'adore, les manches sont énormes, c'est genre exactement... Ça va faire un fou outfit avec des petits yeux payés. Faut juste que tu l'agences, c'est sûr que c'est un truc que tu portes pas tout seul. Mais ouais, non, c'est validé. C'est parfaitement validé. L'article suivant est fait pour une fille caliente. Une fille dont on ne prononce pas le nom. Le genre de fille qui arrive en soirée. Parce que tu vas pas le du tout. Je pars du principe que c'est moche. Vas-y, vas-y, c'est moche. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, elle va être incroyable. Ah ouais? Mais peut-être que c'est pas le cas. Peut-être c'est pas le cas. J'ouvre les yeux? J'ouvre les yeux.
très joli ça. Oh, c'est super cute ça, j'adore. Je sais pas, t'es dans un monde de femme. De ouf. Donc j'ai senti ça. C'est pour ça que je t'ai envoyé des petits indices. Non mais je savais que t'étais en mode femme. En plus j'ai vu tes photos récemment et genre c'est des photos beaucoup plus femmes, caliente, tout ça. La couleur, t'en penses quoi? Ah ça, j'adore la couleur aussi, de ouf. C'est ma pièce préférée, j'adore. Trop nice. Super, j'ai même pour ouais, tu pensais que j'allais prendre des trucs avec des bandelettes et tout, avec des petits mots et tout dessus? Non mais au début j'avais trop peur, tu m'achètes des girl boss et des girl power. Je pense que je vais t'acheter des trucs où c'est marqué girl baby boss. Girl. J'avais peur. Queen. J'ai vu un haut, c'est marqué queen. J'ai dit, oh, acheter ça, je te l'aurais balancé sur la tête. J'aurais dû les dire de l'acheter et te donner. Non, mais te dire comme c'est ça. Oh, ça aurait été si drôle. Ça aurait été horrible. Prochaine fois je fais ça, c'est sûr. On est toujours dans les mêmes motifs avec Jan, elle a pas trop pris de risques, mais on est sur un modèle totalement différent. Hein. Faut que t'essayes, toi. Intéressant. Non, je vous aime, vous savez que je vous aime. Bah, quoi qu'il arrive. Enfin. Et faut que tu l'essayes, donc. Enfin, j'aimais bien la façon dont c'était centré. Arrête. Vous savez que mes profondes secrètes d'articulation. Arrête, c'est vrai. Les petites manches comme ça, ça fait décontracter. Ouais, mais vas-y, j'arrête de justifier mon achat. Je vais vous dire franchement, Soy, j'aime beaucoup le motif, j'aime beaucoup le haut. Mais le bas pour moi, c'est trop sérieux. Il est beaucoup trop madame. C'est trop sérieux. Il n'y a pas de problème. Tu pourras l'échanger. C'est refusé. Je suis désolée, non, ça. Il n'y a pas de problème. Ça passe d'une bonne volonté, non? C'est tellement gênant ce qui se passe en soi. Elle te va v'là bien, mon frère. C'est juste un peu moins mon style, mais ça reste quelque chose que je peux porter. Regarde comment ça cintre bien, genre. Elle est pas si longue, je pensais qu'elle était beaucoup plus longue en fait. Franchement, elle a pas du tout l'air pareil quand tu la tiens et quand tu la portes. Je vais continuer à y penser pendant 2-3 jours. Ouais. Je vais méditer, je vais faire une retraite spirituelle pour y penser. Wow. Ouais, vous voyez, moins déçue que je pensais ça. Yes. Vous allez aimer ça. Ok, c'est ça. Parce qu'après ce qui vient de se passer. Mais non, je vais pas aimer sur toi, juste parce que je tiens à pas aimer. Allez, je déteste. C'est dégueu. Je me suis dit, la shape va être incroyable. La shape? La shape. La pute. Qui est sur moi? Tu vas garder les yeux fermés et tu vas toucher. Oula, là, mais tu vas. C'est un sapin de Noël? Ouais. Ok, je pense que ça doit être un filet, un truc comme ça. Ouais, un filet mignon. Okay. Il y a peut-être des poissons dedans, faire attention. Oh shit, c'est Michael Jackson, mais on m'appelle Michael Jackson. Oh shit. Oh mais là c'est terminé. Michael Jackson a trouvé son outfit. Shit, non mais arrête, on m'appelle tout le temps Michael Jackson en ce moment. C'est génial, mais par contre ça va être difficile à porter. Ben, je me dis avec un petit crop top noir par exemple. Non, ça peut le faire, ça peut le un faire. Un crop top noir, regarde. Juste l'essayer pour t'as louis gris super haut. Non, c'est super beau. En mode j'arrive dans ta soirée. C'est vraiment beau, faut juste que je l'essaie. C'était la pièce la plus chère. Bon. Est-ce que tu l'aimes? Parce que si tu l'aimes pas, tu vas pouvoir échanger pour 50 trucs. Ouais, c'est ça, je vais acheter le magasin complet. Soy, ça va pas du tout. Regardez, il y a un trou ça. Non, mais c'est grave beau. T'es Céline Dion qui va en pousser. Ouais, non mais c'est grave beau, c'est qu'ils ont complètement fuck up la chaîne. T'as un cul incroyable, ça. Non mais je vois. Est-ce que tu vois ce que je vois? Ça va, c'est vite fait. Ah non non non, moi les trucs comme ça derrière. Regarde, mets-toi de profil. Non, ça va pas. Dommage. Ah, je suis plus des pieds de ouf. J'arrive même pas à respirer. Échec et maths sur celle-là. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Par contre, les motifs t'as. Je m'excuse. Jan, t'as tout aimé? Ouais, sauf peut-être ça, parce que ça je ferais peut-être un photoshoot, mais je le porterais pas, peut-être pas tous les jours. C'est le truc qui se rapproche le plus de ton ancien style, Ben. Ouais, c'est ça. Bravo, ça. Putain, c'est trop dommage qu'elle lui m'a pas. Ce cul, il mérite d'être dans ce pantalon. Voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Oh putain, le stress se libère. Petit tout comme l'odeur des pieds de masse. C'était un shopping réussi, quasiment 99%. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Là, c'est la fin de la vidéo, donc il serait temps de s'abonner. Et puis nous, bah, on se revoit samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bye. Ça pue de ouf. Ça sent. Quelque ça chose fort. Il y a une odeur dans l'air. On sait pas trop ce que c'est. Je dirais que. Parce que toi t'es habitué avec tes propres pieds. Ouais, le diamant des étoiles. Hein? Quel magique univers. Mais dans cette romantique atmosphère. Ça sent.